Les Sri Lankais, les Béninois, les 101 Dalmatiens et les Rouges-Gorges. Wesh la meute! Donc là, on est dans ma chambre. Le thème aujourd'hui, les gars, c'est quelle nationalité tes parents n'accepteraient pas? N'hésitez pas à nous répondre en commentaire. Abonnez-vous si vous pouvez. Lâchez un petit pouce bleu. Activez la cloche de notification. La meute, c'est nous. Alors aujourd'hui, on est avec Eva. Ça va, Eva? Très bien. Elle va bien. Quelle nationalité tes parents n'accepteraient pas? Au niveau des petits copains, etc. Bah, aucune. Ils accepteraient toutes les nationalités? Ouais. Laquelle tes parents ils aimeraient pas? Arabe. Toi, on va dans un coin, toi et moi. Comment ça se fait? Je sais pas. Pourquoi? Tes parents ils aiment pas les Arabes? Si, ça va, mais. Mais c'est mieux une Renoir. T'es de quel pays? Sénégal. France. Ta mère elle est française? Et elle veut pas une Arabe. Mais un Renoir ça va. Que je ramène chez moi? Exactement. Pour le mariage par exemple. Ah mon gars. C'est qui qui sont agités, qui sont folles là, putain? Ah, je sais pas, c'est à toi de me dire. Franchement, je vais pas te mentir, une Algérienne, ça serait compliqué, t'as vu? C'est compliqué? Ouais, qu'est-ce qu'il dirait? Ah, c'est chaud. Franchement, c'est chaud, il me dirait, David, là, tu veux pas ramener ça à la maison parce que, mec, ça va pas être possible, tu vois. David, t'as déconné. Ah, t'as déconné, c'est clair. Quelle nationalité tes parents n'accepteraient pas? Chinois. Chinois? Ouais, comme asiatique. Les Asiatiques, ouais. Ils aiment pas, pourquoi? Parce qu'en fait. Le caractère. Ah, le caractère, genre ils sont trop sages, trop gentils pour toi? Ouais. C'est ça? Ouais. Ah ouais, du coup, chinois, tu peux pas, t'as jamais testé. Mais il y a des chinoises très très belles, très très sympas, non, etc. Non, et... Ça me dit rien. Mais genre, si tu ramènes. Maintenant, demain, tu ramènes une chinoise à la maison. Ta mère ou ton père, ils font quoi en tout premier? Ils vont me niquer. Nous sommes avec. Yahoo! Mario! Quelle nationalité? Hey. Tes parents, ils aimeraient pas. Elle aime pas trop les Français moyens, genre. Moyens? Non, les beaufs. Les schlags. Ouais, voilà. Quelle nationalité tes parents n'accepteraient pas? Franchement, je dirais les Noirs. Hein. Pourquoi les Noirs? Parce que, voilà, c'est comme ça. Ah, c'est au niveau de la famille, ils veulent pas. Voilà. Que des rebeux, ils veulent ta famille. C'est... Je sais pas comment te dire, moi, je me vois pas déjà avec une kahla, t'as compris? Ah, t'aimes pas ça? Ouais, c'est ça, je sais pas. Après, c'est ton droit, hein, t'as le droit de pas aimer, t'as vu? Ils sont là, ils marchent avec nos sœurs, t'as compris? Là, moi, je les pisse, le Coran, vas-y. Tu baises. Et là, on aura un très joli flip and ride de Guillaume Trinchant. Wouh, il l'a raté, attention, ça, je mets 2 sur 10. Salut, ça va, je t'appelle comment? Abou. Abou. C'est quand tu dis un, Abou. Mes parents sont très ouverts. Ils sont très ouverts, très ouverts. Tout le monde. Ouais, je pense. C'est-à-dire que t'as pas la barrière de la famille derrière tout ça? Non. Moi, toi, t'as une barrière? Moi, j'ai aucune barrière, à la vérité. Hein, je suis sorti avec des Renois, des Asiates, des... Bon, il on va pas compter. Là, je rigole. Et donc toi, grand patron, tu t'appelles comment? Je m'appelle Samir. Samir, et tu fais quoi dans la vie? Ben, je fais rien, je suis au chômage. C'est la hesse. Du coup, je vends un Panda 404, si vous voulez. Non, tu le vends combien? Oh, je le vends pas cher, vous inquiétez pas, venez en DM. Je suis avec Karim. Papa, teinture. C'est quelle couleur ça? Moi je suis daltonien. C'est quoi? C'est jaune, oui. Jaune, hein. C'est jaune, hein, Sabri? J'ai raté ma teinture, ça fait cette. Ça a fait ça. Ah ouais, hein. Ouais, ça a peut-être le Coca-Cola. C'est le mec. Franchement, ils sont comme moi, ils sont ouverts. Ça va, genre tout, ils prennent ouais, tout. Bah ouais. Normal, ouais, tu dis vas-y, je vais ramener une Sénégalaise. Bon, toi t'es algérien? Marocain. T'es marocain, vas-y. T'es un marocain, tu ramènes une Sénégalaise à la maison, ils vont rien dire? Bah non, je pense pas. Là, pas de galère. J'ai ramené une Espagnole, j'ai ramené. Normal, j'ai ramené ça passe. Une Indienne, j'ai. Tu vois, normal. C'est bien, c'est ça qu'on aime, tu vois, ça qu'on aime, le truc. Uber Eats, j'ai ramené ça. Ils ont commandé indien, je leur avais ramené, t'as capté? Voilà, normalement, c'est bon, alhamdoulilah, ils sont calés. Non, c'est bien, franchement, t'as vu, regarde, on n'est pas tous communautaires, t'as capté? On n'est pas tous, ouais, on veut des Marocains, on veut des Algériens. Non, c'est bien, une famille comme toi, c'est bien. Aucune. Aucune, ils sont ouverts à toutes. Limite une autre planète, ils seraient d'accord. Une autre planète aussi? Ouais. Mais pas les animaux? Non, clairement pas. Moi j'ai une technique pour arrêter les dames. Tu vois, t'es là. Hé madame! Hé! Viens voir, viens. Viens, c'est pour l'internet. Vas-y. Salut, tu t'appelles comment? Ariana. Ariana, c'est très beau. Ils acceptent tout. Ils acceptent tout? T'as déjà ramené des copains à la maison, etc. Moi j'ai que 14 ans donc. Ah, t'as que 14 ans? Mais où tu manges quoi à midi? Mais elle a que 14 ans, mais moi je croyais que t'avais 17 ans, un truc comme ça. Donc. T'es végétarien? Ouais, donc. Ah bah c'est pour ça, elle a mangé de la salade, les amis, hein. Faut y aller, hein. J'ai pas de la chnouna, un truc bizarre avec nous, hein. Si. Bonjour, c'est la Meute TV, Marwan, il a des contours aujourd'hui, ça fait plaisir, je suis avec. Feriel.
Bon, pas moi, d'habitude je dis moi aussi, mais t'as vu cette fois, non, c'est pas trop. Hey, Feriel, j'ai une question. Ouais. Est-ce que t'es né le 1er janvier? Non, pourquoi? Parce que t'es un jour Feriel. Ça fait rien. Dis-moi, j'ai une question. Si tu ramènes quelqu'un à ta famille, tes ouais. parents, quelle nationalité ils accepteraient pas? Non, franchement, je pense qu'ils vraiment, ils diraient oui pour tout. Sérieux? Ouais. Même t'as ramené quelqu'un déjà? Ouais, déjà, bah oui. Un quoi? Français. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est quoi ça? C'est de la weed, frère. Ah, c'est de la weed? Ouais, frère. Il faudra te fumer, j'espère. attends, ça marche comment ça? C'est un vaporisateur. Je peux tester? Ouais, si tu veux, attends. En fait, la weed, elle est là. Oh, ça sent fort. La weed, elle est là, tu vois. Ah ouais! Légalisation, frère. Ah, légalisation, hein. Cannabis thérapeutique, frère. Légalisation. Ah, thérapeutique. Il faut légaliser ça en France aussi, hein. C'est à cause de mes migraines, frère. Oh, le menteur! À cause de mes migraines, j'en ai rien à foutre de leur médicament anti-migraineux, je sais pas quoi, Sanofi, tout ça, là, mon gars. On fait pousser ça naturellement. Je crois que je suis avec un fou de ça là. Je crois que c'est une cause qui. Que je défends. Que tu défends énormément. Mais bien sûr, ça me tient vraiment à cœur. Avec un arabe. Avec un arabe? Ouais. Toi, t'es quelle origine? Camerounaise. Pourquoi avec un arabe? Par rapport à leur culture, je pense. Leur culture. Religion un peu? Ouais. Toi, t'es quoi? T'es chrétienne? Ouais. Et du coup, un arabe, c'est pas possible? Non. Et t'as un copain actuellement? Non. Pourquoi t'as hésité? Bah, enfin, je parlais avec un gars, tout ça, mais. Ouais, et t'as jamais fréquenté d'arabe? Si, justement, c'est un. Ah, c'est un arabe en plus, ouais. Attention, hein. Quelle nationalité tes parents ils accepteraient pas? Malienne. Malienne? Sérieux, pourquoi? Je sais pas, parce que c'est pas les mêmes coutumes. C'est pas les mêmes coutumes, genre y'a quoi de différent? Je sais pas. Même malienne musulmane? Non, je pense pas. C'est mort, tes parents réagissent comment si tu ramènes une malienne? Elles vont me tabasser. Mais genre en fait c'est Renoir ou juste les maliennes? Genre tu peux ramener une sénégalaise? Renoir. Ah Renoir, dis-le ouais, directement, Renoir. Précise. Ah le mec il a voulu nous la mettre en mode malienne. C'est quoi ton style? Rebeu. Fais ta pub, vas-y fais ta pub. Rimka, 2i, 4a, snap. Je t'appelle vraiment Rimka? Abdelkrim, ouais, la vie de ma mère je l'ai trouvé au pif. Je suis avec mon pote qui s'appelle Stéphane. Stéphane comme moi, ouais. Quelle nationalité tes parents n'accepteraient pas que tu ramènes à la maison? Bon, on n'est pas raciste hein. Mais les rebeux, c'est pas trop pour nous ça. Je vais t'attendre à la fin de la vidéo. Mais tranquille, vas-y, continue. Les rebeux, c'est tout? On va dire les rebeux, les. En fait, c'est pas vraiment origine. Mais. On va dire si c'est origine, on va dire algérienne. Algérienne, marocaine, tunisienne. Genre spécialement les algériennes et marocaines, ils aiment pas trop. Ah, ils aiment pas trop, hein. C'est vrai? Ouais. C'est quoi toi? T'es quel pays? Je suis malgache réunionnais. Ok, oh, pourtant vous êtes mélangés. Ah, aussi. On aime pas trop, tu sais, les. Non, on aime. Y'a autre chose qu'ils aiment pas? Bah ouais, genre en mode les indiens, tu vois, je veux pas ramener une indienne chez moi, genre. Là c'est quoi? En gros ils préfèrent ce qui ressemble à chez vous, quoi. Ouais, voilà, tu vois, genre un métis, un peu noir, un peu blanc, noir. Tu vois, métis, tu vois. T'aurais été un peu plus noir, ils auraient dit non, on le garde pas. Décapotable, enfin. Ouais, il a dit ouais, toute option, moi j'aime bien quand il y a la clim, tout ça. Ils ont des préférences spéciales. Ils ont des préférences, en fait c'est pas qu'ils aiment pas, mais c'est qu'ils ont des préférences. Ils préféraient que je ramène quelqu'un du pays, tu vois, aussi. Ouais, bah ouais. Ou quelqu'un des environs, enfin d'à côté, tu vois. Souvent c'est ça. Non, ma des sœurs et tout. C'est normal après. Street. Bam, 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 avec Asia dans la maison. Asia, ça va? Ça va, bien, vous, tranquille. Vous bien, t'étais où? Tu faisais quoi là? J'achetais des livres. On s'en fout, bref. Pose la question. Non, je rigole. Non, je rigole. Hey, Asia, j'ai une petite question. Vas-y. Quelle nationalité tes parents n'accepteraient pas? Renoir. Les Noirs. Renoir. Et pourtant, t'aimes bien les Renoirs, toi? Bah oui. Tu vas faire comment? Je sais pas. Non, mais j'ai de la chance. Ma belle-sœur, elle est martiniquaise. Donc, déjà, ça a ouvert une porte, t'as capté? Ah, une porte, t'as capté, tu vois. Genre, ça commence à zouker dans les fêtes familiales et tout, tu vois. Non, moi, j'ai pas de préférence, je m'en tape. Après, la famille, bah, tu connais les rebeux, ils sont un petit peu. Ouais. Ils veulent un musulman et un rebeu, mais bon. Ouais, tu vois, c'est le cahier des charges, en gros. Ouais, faut voilà, ramener le bon gars, tu vois. C'est ça, sinon, c'est dead. Mais bon. On verra, moi j'ai pas trop de choix. Et si t'en ramènes un quand même? Parce que je te connais, tu vas en ramener un quand même. Ça c'est sûr. quand je pourrais. Non, hein? Mais ça c'est, on va discuter avant. Hein. Je vais préparer le terrain avec mon daron. Avec des gants de boxe? Ouais. Bon, calmez-vous. Et calme-toi, papa, je prends ça. Mon gars, ça va? Ça va et toi? Tranquillement, il fait froid là un peu. Hein. Ouais, un peu. Mais est-ce que t'es chaud pour répondre à une question là? Je suis chaud. On se réchauffe, on s'échauffe? C'est chaud. Quelle nationalité tes parents ils accepteraient pas que tu ramènes à la maison? Moi je sais pas, parce que mon père c'est un Sénégalais. Ouais. Et il peut pas que je ramène une rebeu. Mais ma mère c'est une rebeu et elle veut pas que je ramène une noire. Ah t'es bloqué hein. Ouais. Tu vas ramener quoi, une chinoise? Non, une blanche. Ah ça passe en vrai ça? Ça va passer? Ouais. Mais pourquoi? Comment ça se fait? Eux ils se sont mélangés mais toi tu peux pas? Je sais pas, parce que mon père je sais pas il... Toi c'est quoi ton style à toi? C'est le rebeu de base. Ah ouais hein, c'est, t'es bloqué là. C'est qui veut pas déjà? Son père il veut pas? Ouais. Ah bizarre hein. Tranquille c'est pas grave. Courage. Alors quelle nationalité tes parents n'accepteraient pas? Les rebeux là, ils sont chelous hein. Les rebeux? Je suis pas rebeux, tranquille hein.
Non, j'en sais rien, je sais pas. Genre, bah, okay. Si tu ramènes, t'as une copine actuellement? Non, même pas. Rebeu, t'as dit, hein, attends, t'as non, vu. Je rigolais. Ouais. Tranquille, les gilets jaunes, c'est pas des rebeux. C'est pas un cistra, nous, hein. C'est pas un cistra, attention. Bah, moi, ça va, ils sont assez ouverts d'esprit. Assez ouverts? Ouais, mais après, faut pas que la personne elle soit bizarre. Ouais, voilà, on est juste sur la nationalité, la couleur ou autre, etc. Non, la couleur, ça va. Ça va, tout, j'aurais pas accepté les Renois. Bah, tu fais des coupes de Renois aussi, du coup, je pense qu'ils accepteraient en vrai. Tu les as achetés combien? 20 euros des cartes. Vous avez vu, ça c'est la preuve qu'il n'y a pas que les Renois qui mettent des tissages, la tête de mort. Et toi, Sarah, c'est ça? Oui. Ah, c'est des prénoms trop clichés. En fait, mes parents, ils s'en fichent du moment que c'est un musulman. Faut qu'il soit musulman, c'est-à-dire musulman. Noir musulman, chinois. En fait, ils préféraient quand même un arabe, parce que voilà. Arabe, bien la préférence. Ouais, surtout un algérien. Un algérien, idéalement, t'es algérienne, c'est ça? Oui. Bah, du coup, faut qu'il te ramène un algérien à 100%. Si tu ramènes pas d'algérien. Si tu ramènes un marocain. Alors là, ma mère elle pétinque. Non, en vrai, je pense que ta mère elle préfère que tu ramènes un renois qu'un marocain. Non, un marocain. Parce que ah, marocain. Ouais. Renois, ce serait difficile pour toi? C'est difficile parce qu'on n'a pas les mêmes cultures, c'est pas pareil. C'est pas contre vous les Sri Lankais, mais c'est chaud. C'est chaud. Y'a que eux? Ah, c'est chaud. Ouais, et les autres, y'a d'autres. Après, je vais tomber pour racisme. Non, t'inquiète, on dit tout ici. C'est pas toi, c'est tes parents. Les Sri Lankais, les Béninois. Les 101 dalmatiens et les rouges-gorges. Oh, t'es dur, hein. C'est ah dur. Non, ça je peux pas mettre. Rouges-gorges. Hein. Merci. Peut-être la communauté africaine, en vrai. Ah ouais, lesquelles ouais. Afrique centrale, subsaharienne. Subsaharienne, ouais. Que ça genre. Ce serait. Moi, mon père, en fait, il s'en fout. Ouais. Mais c'est la mère. Ta mère, elle a dit l'Afrique centrale, subsaharienne, j'aime non, pas trop. Elle m'a... Ouais, c'est ça. Enfin, genre, elle m'a dit. Ah, c'est le sud-est, ok, mais pas. Non, elle m'a dit une maghrébine. Et ton père, ça va, il est quand même. Ouais, moi, il est ouvert. Tranquille. C'est ça qu'on aime, tu vois. Nous, on aime l'ouverture d'esprit. Il est ouvert. Bon. Mais de toute façon, même si j'ai envie de ramener une africaine, je ramènerai une africaine. Tu dis, tu vas faire quoi? Je l'aime. Y a quoi? En vrai, je la ramènerai, genre. Normal. C'est pas un ta mère, elle va dire. En vrai, vas-y. Après, elle va me dire, ouais, après, elle va me dire si franchement, t'es heureux avec, c'est bon. C'est carré, merci. Voilà, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Du coup, on a eu des réactions de fou aujourd'hui. J'espère que la vidéo, en tout cas, vous aura plu. N'hésitez surtout pas à relâcher le pouce bleu, comme d'habitude, la cloche de notification et vous abonner. Waouh, mais faites quoi, les mecs? Pour rester branchés, une prochaine vidéo. Allez, peace.